Je fais juste la musique. C'est Jeff qui va parler. Ouais, c'est bien. Avec le Seigneur. Alors, bienvenue à ce rendez-vous. À cette messe unique, en réalité, hein, qui rassemble les gens comme vous, qui êtes de l'unité pastorale de la Croix Glorieuse, et aussi d'ailleurs. Comme on forme ensemble une communauté virtuelle, je vous invite à interagir de trois façons lors de cette célébration, via la section commentaires de Facebook. Et si c'est disponible sur YouTube, ça sera aussi possible. Il y a, premièrement, je vous invite à vous saluer les uns les autres, saluer donc les personnes qui sont présentes, en signifiant simplement là, dans la section commentaires quelle communauté vous fréquentez habituellement ou de quelle ville vous nous regardez ce matin. Fait qu'on se salue les uns les autres, bien oui. N'hésitez pas, faites-le dès maintenant. Et aussi, si vous désirez porter à l'attention de la communauté une intention de prière pour laquelle vous voulez que l'on prie ce matin ensemble, je vous invite aussi à le faire dans la section des commentaires, dans la première partie, bien sûr, de la célébration. N'attendez pas au moment des intentions pour le faire si vous tenez à ce qu'on le mentionne. Nous en lirons quelques-unes à l'Église. Et les autres pourront être lues tout simplement par vous et portées dans la prière. Voilà. Et finalement, je vous invite à partager ce rendez-vous qu'on a présentement avec tous ceux et celles qui pourraient être intéressés à prier avec nous ce matin. C'est une belle façon de former une communauté vivante et priante, afin qu'on soit aussi nombreux à le faire. Eh bien, maintenant que tous ceux et celles qui ne sont pas à leur clavier se lèvent, puis qu'on tape dans nos mains, qu'on chante avec la famille Paradis, avec Mélanie, pour manifester notre joie d'être rassemblés de partout sur la planète virtuelle pour célébrer le Seigneur ce matin. Car il est le roi.
Bonjour, bienvenue. C'est avec joie que je vous accueille, vous tous qui nous écoutez via la télévision ou Internet ou Facebook ou YouTube. C'est avec joie que je vous accueille parce que je n'ai personne devant moi dans l'Église. Alors, je suis heureux d'être avec vous ce matin, puisque je retiens surtout du chant d'entrée, là, c'est « ia 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 ». Alors, pousse des cris de joie. Aujourd'hui, le pape a décrété le dimanche de la parole de Dieu dans le cadre de la semaine de l'unité des chrétiens. Alors, on est invité d'une façon spéciale à mieux saisir la parole de Dieu et à laisser Dieu faire son œuvre par sa parole dans nos cœurs. Alors, prions donc ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous appelle à le suivre, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Aujourd'hui, comme chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, la parole de Dieu nous invite à la conversion. Tournons-nous donc avec confiance vers celui qui peut changer nos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous crois capables de répondre à tes appels. Quand nous en doutons, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies porter la bonne nouvelle. Quand nous tardons à nous mettre en route, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à bâtir avec toi le royaume. Quand nous sommes tentés de nous décourager devant les difficultés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur. Montre-nous, Père, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus, ton envoyé,
lui qui agit dans nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur. Lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien,
ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe, ce monde tel que nous voyons. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait : Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Si vous avez bien remarqué, dans les lectures d'aujourd'hui, Dieu nous appelle à sa suite. Dans la première lecture, on a en raccourci la vie de Jonas. Mais Jonas, c'est une vie très intéressante à connaître. Alors, Jonas est un jeune d'une petite bourgade près de la grande ville de Ninive. À qui Dieu demande d'aller dire aux gens de Ninive, « Convertissez-vous ou je vais détruire la ville. » Alors, Jonas se dit, « Qui suis-je, moi, dans mon jeune âge, pour aller dire aux gens de Ninive de se convertir? » Ils vont dire, « Va te faire sécher le nombril, tu reviendras plus tard. » Fait qu'il fuit sa mission, prend le bateau, s'en va à l'inverse de la ville de Ninive. Et là, il arrive une tempête sur la mer. Et la tempête, à l'époque, c'est les forces du mal qui sont déchaînées. Alors le capitaine du bateau dit, « Il y a quelqu'un parmi nous qui ne fait pas la volonté de Dieu. Et si cette personne-là ne se dénonce pas, on va tous périr. » Et imaginez que pendant la tempête, Jonas, il dort. Lui, il dort. C'est un curieux phénomène. Alors, finalement, le capitaine décide de tirer à la courte paille, ça veut dire celui qui prend le bout de paille le plus court, c'est celui qu'on jette à la mer. Et c'est Jonas qui hérite la courte paille. Alors, il est jeté à la mer, et là, on dit qu'il est avalé par une baleine. Je pense à la chanson qu'on entend d'autrefois. « Jonas dans la baleine disait, je voudrais bien voyager, boum, boum, boum. » Alors, boboum, boboum, ça ressemble à ya, ya, hein? Fait que, même langage. Toujours est-il que Jonas est recraché par la baleine aux portes de la ville de Ninive. Alors là, il comprend qu'il faut qu'il fasse sa mission. Mais là, la lecture disait
Ça prend 3 jours pour traverser la ville. Jonas la traverse en une journée. Ça veut dire qu'il n'a pas arrêté longtemps sur les flux de circulation. Puis les gens l'écoutent. Ils se convertissent. Fait que Jonas, après ça, au lieu d'être content, il va voir, il dit à Dieu, c'est ça, fais-moi passer pour un épais. Je leur ai dit que tu allais détruire la ville, tu ne la détruis pas. Dieu dit, non, je n'ai pas dit que tu allais détruire la ville. J'ai dit qu'il fallait qu'ils se convertissent et ils se sont convertis. Jonas, ce n'est pas de bonne humeur. Alors, il s'en va dans le désert puis il décide de se laisser mourir. Et Dieu fait pousser un arbre derrière Jonas qui lui jette de l'ombre. Alors, Jonas est content dans le fond de lui-même parce qu'il commençait à trouver qu'il faisait chaud. Mais là, Dieu fait en sorte que l'arbre, en l'espace de quelques minutes, il se dessèche puis il meurt. Jonas se choque encore après Dieu. Qu'est-ce qui t'a fait cet arbre-là? Alors, Dieu lui dit, Jonas, tu as de la compassion pour un arbre, puis tu ne voudrais pas que j'aie de la compassion pour toute une ville. Et l'histoire finit en disant, Jonas, où est ton cœur? Alors, c'est la question d'aujourd'hui. Dieu nous invite à sa suite, mais avec du cœur. Alors, l'histoire de Jonas nous apprend, moi, je dirais au moins 3 réalités. Dieu nous invite à sa suite avec chacun de nos caractères. Tu ne choisis pas juste ceux qui sont beaux, puis ceux qui sont fins, puis ceux qui sont bons. Il nous appelle tous à sa suite. Puis la foi en Dieu, face à nos doutes, peut faire des merveilles si on continue d'avancer. Et la 3e réalité, c'est que fuir nos appels, fuir nos responsabilités, c'est fuir aussi nos capacités d'être heureux. Alors Dieu, dans l'Évangile, ça continue, appelle ses 4 premiers apôtres. Une constatation qu'on peut faire, c'est qu'il les appelle dans le quotidien, dans leur métier de pêcheur. Il n'y a pas eu de geste éclatant. Alors, il ne faut pas attendre, nous aussi, pour entendre l'appel de Dieu, qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Mais il faut plutôt être à l'écoute des petits gestes banals de chaque jour. Et à quoi Dieu les appelle? À laisser leur filet pour marcher à sa suite. Laisser les filets. Pour moi, c'est une belle image. Laisser les filets, c'est aller plus loin que nos habitudes de vie. C'est aller au-delà de nos doutes, de nos peurs et de nos acquis, et faire confiance à ce Dieu qui m'invite à aller vers le large. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, à quoi Dieu nous appelle? Dans l'Évangile, dans la première lecture, Dieu nous appelle. Il nous appelle à quoi, au juste? Moi, je dirais que Dieu nous appelle à 4 choses. Premièrement, Dieu nous appelle à être heureux. Dieu nous appelle à être heureux en sa présence, en sachant comme une certitude qu'il ne nous fera jamais défaut. À quoi Dieu nous appelle? À aller au bout de notre vie, à vivre à plein, à vivre en profondeur, à ne pas gaspiller nos énergies dans du superficiel, à accueillir chaque instant de notre vie comme si c'était une bénédiction de Dieu, même en temps de COVID. Alors, à faire en sorte qu'on puisse voir Dieu qui écrit dans nos vies. Dieu qui, quelque part, à travers tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, nous fait grandir. À quoi Dieu nous appelle encore? À aller, j'irai, au bout de l'amour. L'engagement à long terme devient parfois difficile, mais il est le plus beau langage qui existe sur Dieu. Moi, j'admire les gens qui demeurent en état de service jusqu'à la fin de leur vie.
Je souhaite profondément demeurer moi-même en état de service jusqu'à la fin de ma vie. À quoi Dieu nous appelle? À être heureux, à aller au bout de l'amour, à mordre dans la vie, et je dirais aussi à aller au bout de notre foi. Aller au bout de notre foi, et cela malgré nos doutes, malgré l'opinion publique, parfois contraire à nos convictions, malgré même les résistances ressenties par nos proches. Rester debout dans la foi, malgré les déserts, malgré les silences de Dieu. C'est là notre plus beau langage sur Dieu. On n'a même pas besoin de parler, juste à vivre au maximum. Quand je raconte tout ça, là, j'entends Jean-Paul II, quand il est apparu au balcon après son élection comme pape le 16 octobre 1978. Je me souviens très bien de ce moment-là. J'étais en route, en auto, puis j'ai entendu ça à la radio. Et Jean-Paul II dit, « N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes de votre cœur au Christ. » C'était la première fois depuis très longtemps qu'on avait un pape qui n'était pas un Italien. Fait que, peut-être pour ça qu'il a dit « N'ayez pas peur ». Mais toute sa vie, il a répété ce slogan « N'ayez pas peur, faites confiance ». Et Benoît XVI, quand il est devenu pape, a pris les mêmes paroles « N'ayez pas peur, le Christ nous donne tout ce dont nous avons besoin, au fur et à mesure ». Puis le pape François lui écrit « N'ayez pas peur de la sainteté », encore plus loin. Parce que la sainteté, elle est joie, elle est vie. Alors ces mots de nos derniers papes ont une référence à Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, quand elle est morte, on a trouvé les mots suivants écrits sur sa table de chevet. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe, mais lui, Dieu, ne change pas. La patience obtient tout. Et à qui possède Dieu, rien ne manque, parce que Dieu seul suffit. Alors, je connais des gens autour de moi qui ont résumé la réflexion de Thérèse d'Avila en disant « Mon Dieu est mon tout, après vous, je me fous de tout. » Peut-être plus facile à retenir. Alors, disons au Seigneur aujourd'hui qu'on veut mettre en lui une confiance inébranlable. Et à quoi il nous appelle? Je le répète en résumé, à être heureux. Parce que seul le chrétien heureux donne le goût de Dieu. Alors, ne perdons pas notre temps à vouloir tout connaître, tout savoir. Développons une confiance inébranlable en Dieu et faisons comme les apôtres, les quatre premiers apôtres ce matin dans l'Évangile, laissant tout et le suivirent. Mon Père, je m'abandonne à toi parce que je sais que tu m'aimes, dit Charles de Foucault. Amen. Alors poursuivons notre prière en disant justement que nous croyons en ce Dieu qui est le Dieu de l'impossible, qui fait toujours au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Dans la certitude que le règne de Dieu est proche et que le Seigneur soutient nos efforts pour le faire advenir, laissons maintenant notre prière monter vers lui. On pourra répondre, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. De Marguerite, mon Dieu, merci de me donner la force d'aller à l'école chaque jour, malgré les contraintes liées à la COVID. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. De Jules, Seigneur, s'il vous plaît, garde mes parents en santé encore longtemps et donne du courage à ma mère pour passer à travers son épreuve. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. De Maïka, Jésus, donne du courage à mamie pour qu'elle ne s'ennuie pas trop seule en ce temps de COVID. Je te demande aussi que ma famille proche et élargie reste en santé. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. De Daniel, j'offre cette messe pour mes enfants et mes petits-enfants. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. De Blandine, Seigneur, viens visiter une adolescente en grande difficulté pour lui donner le courage de se prendre en main. Assure à ses parents ton soutien, c'est si difficile pour eux. Merci, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. De Nathalie, Seigneur, visite nos maisons et reste notre fidèle compagnon. Je te confie tous nos projets, tous les membres de nos familles, tous nos amis. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. De André, j'offre cette messe pour ma famille, toute ma famille de cœur aussi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. De Thierry, mon Seigneur, j'offre cette messe à ma femme et à sa conversion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. De Anne, je prie pour la famille de ma filleule Patricia qui vit une grande épreuve en ce moment. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et de Pedro, j'imagine Rémi aussi. Mon Dieu, je prie pour ma grand-mère qui vit seule loin de chez moi. Je souhaite qu'elle reste en santé et qu'elle puisse la visiter bientôt. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions aussi pour toutes les intentions qui sont... toutes les autres qui sont aussi sur la page Facebook. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu nous engages à la suite de ton Fils Jésus sur le chemin de l'amour et du service. Fais de nos vies une bonne nouvelle, de manière à ce que les gens qui nous entourent puissent y reconnaître ta présence. Exauce toutes ces prières que nous venons de t'exprimer, et tout ce que nous te disons dans le secret de nos cœurs, toi qui agis dans nos vies, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mais c'est pas...
Célébrons l'Eucharistie d'une façon particulière aussi ce matin, en plus de toutes nos intentions qu'on offre à Dieu. On prie pour Lise Noël, messe recommandée par Louis Jacques, et on prie aussi d'une façon spéciale aux intentions des messes qui étaient réservées à l'Église Immaculée Conception, qui sont célébrées en privé aujourd'hui, ces jours-ci. Alors, pour Alcide Sanson, dont c'est le 35e anniversaire de décès, ainsi que pour Yvette Beaudoin, messe recommandée par la succession. Prions donc ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant ce mémorial de notre salut, nous te supplions, Père, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Sauveur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes enfants, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Prière eucharistique pour le dimanche de l'unité des chrétiens, pour la semaine de l'unité des chrétiens qui se trouve dans le prion du mois de janvier à la page 25 et suivante. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve l'humanité. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qui nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire en son nom. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain, il te rendit grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce à nouveau, puis la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande en communion avec le pape François, notre évêque Luc, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, de Saint Joseph, son époux, et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, rassemblez un jour toute personne de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Sauveur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au moment de s'approcher de l'Eucharistie, on refait toujours cette prière que Jésus nous a enseignée. Mais rappelons-nous, dans le cadre de cette prière pour l'unité des chrétiens, que le Notre Père est récité par tous les croyants en Jésus de toute religion chrétienne. Alors, pensons qu'on est en communion les uns avec les autres, en faisant nôtre cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amen.
Sommes-nous d'être invités à partager ce repas du Seigneur. Le voici, celui qui se donne à nous pour être notre force d'aimer et d'agir en son nom. Accueillons-le, lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement qu'une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, je veux te rendre grâce pour ton Fils Jésus dans cette Eucharistie. La situation actuelle ne me permet pas de communier au sacrement de son corps et de son sang. Alors je m'unis de tout cœur et en esprit à l'Eucharistie qui est célébrée en présence de quelques frères et sœurs qui nous représentent tous. Aujourd'hui, c'est spirituellement qu'il m'est donné de t'accueillir. Il m'est possible de goûter ta présence au plus intime de moi-même. Augmente ma force d'aimer et suscite le don total et joyeux de mon être à ta gloire et au salut de tous. Amen. Thank you.
quelques nouvelles maintenant à propos justement de nos activités à venir. On est plusieurs à se confier en l'Éternel. Ce matin, on était de manière assez stédée, si on peut dire, à 75 à être branchés. Alors, je pense entre autres à la famille Montchez-nous. Vous êtes probablement une douzaine à nous à pouvoir vivre cette célébration-là avec nous. On vous salue. Il y a du monde aussi d'un peu partout au Québec. Il y a du monde aussi de l'unité pastorale. Alors, je salue les personnes du Manitoba aussi, de ceux qui sont en France, même de l'île de la Réunion. Merci de vous être prêté en prière avec nous ce matin. Et bien, on continue à être branchés. Alors, il y a un café avec le curé. De fait, l'abbé Gilles, tu nous donnes rendez-vous tous les samedis matin, mais si on t'a manqué le samedi, on peut te prendre à n'importe quelle heure du jour pour simplement prendre un café avec toi. Et c'est en réalité une capsule spirituelle des plus intéressantes. Alors, je vous invite à y aller. Il y a Histoire de Saint. De fait, c'est aujourd'hui même la fête de Saint-François de Sales. Alors, si vous voulez plus le connaître, c'est un saint qui a beaucoup apporté au plan de la spiritualité, en tout cas un renouveau au 16e siècle. C'est quelqu'un à connaître. Une question à la fois, il n'y en a pas cette semaine, mais je veux vous dire qu'il y a un rendez-vous à chaque deux semaines. Et le dernier mercredi, donc mercredi dernier, c'était avec l'abbé Jocelyn Plante qui nous parlait, est-ce que le Seigneur permet des grandes épreuves comme celles que nous vivons, la pandémie? C'est une grave question, alors il nous aide un petit peu à mieux saisir c'est quoi la volonté de Dieu derrière ça. Alors voilà, donc c'est à chaque deux semaines, et puis vous avez la possibilité de visionner ça en tout temps. Il y a un rendez-vous aussi pour ceux et celles qui voudraient juste jaser, être là pour fraterniser. On a un Zoom fraternel le jeudi prochain, c'est à 14h le rendez-vous. C'est, pour avoir le lien, c'est tout simplement sur la page Facebook que vous pouvez l'avoir, dans la lettre de nouvelles aussi, il en est question. Donc, simplement pour prendre le temps de jaser et puis pouvoir aussi partager, même au plan de notre foi, en ce temps de pandémie où on est souvent un peu seul. Profitez-en, c'est fait pour vous. Et il y a aussi l'adoration interactive. Ça, c'est à tous les vendredis, du moins du temps du confinement. Normalement, on était aux deux semaines, mais là, à chaque semaine, on se donne rendez-vous les vendredis aux alentours de 9h30 jusqu'à 10h pour une demi-heure d'adoration que vous pouvez aussi vivre en différé si vous le désirez. On prie à vos intentions. C'est vraiment un beau temps magnifique d'adoration à vivre. Et nos rendez-vous pour les messes maintenant, les messes qui sont télédiffusées du lundi au samedi, on en a autrement dit à tous les jours de la semaine, à part aujourd'hui dimanche. Lundi au samedi, c'est uniquement sur Ma TV, poste 9, 609, 9h et en rediffusion à 16h. C'est la possibilité pour nous de vivre la messe, là, bien sûr, pas en présence, mais en ligne. Et le rendez-vous, bien sûr, pour dimanche prochain, 10h30, vous êtes les bienvenus. Profitez-en aussi pour peut-être partager cette nouvelle-là. Je suis surpris des fois de voir combien il y a des gens qui ne savent pas que nous sommes en ligne. Et pourtant, oui, nous le sommes. Alors, un beau rendez-vous ici à l'Église Précieuse Sang. Je vous invite, je vous en avais parlé, commenté, partagé, mais aussi, normalement, dans nos églises, il y a la quête. Et là, bien sûr qu'on ne peut pas. Si vous désirez simplement appuyer la démarche que nous faisons présentement au plan technique, mais aussi que la mission de l'Église puisse se poursuivre, même en temps de pandémie, et au-delà, bien, je vous invite, si vous avez ce cœur généreux-là, à pouvoir faire un don. La manière de faire, ce n'est pas compliqué, c'est marqué en ligne. Vous allez sur croixglorieuse.ca. Il y a une petite section pour faire un don en ligne. Vous pouvez le faire soit via courriel, Interac, ou bien par carte de crédit. Alors, c'est une manière pour nous, c'est la seule manière pour nous de pouvoir faire en sorte que vous puissiez contribuer d'une certaine façon au plan des sous, si vous avez le cœur de le faire. Merci d'avance pour votre générosité. Et votre manière aussi de nous suivre, on a quatre façons, vous les voyez, j'en parle pas, vous avez juste à les regarder. Alors, c'est une manière pour chacun d'entre nous de rester connecté et de faire Église autrement. Merci.
Avant de conclure notre célébration, j'ai omis de recommander à nos prières deux personnes décédées ces jours derniers, dont les funérailles ont eu lieu ici à l'église Précieux Saint, ou auront lieu. Alors, vendredi dernier, on a célébré les funérailles de Liliane Baudry-Mathieu, et samedi prochain, on célébrera les funérailles de Monique Jean, qui était veuve de Gérald Gagnon. Prions donc ensemble une dernière fois le Seigneur. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Père, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétien à te servir dans l'unité de la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je vous rappelle en terminant, on a un appel à la sainteté, mais l'appel à la sainteté, c'est de répondre à l'appel de Dieu qui nous invite à être heureux. Alors, soyez heureux, soyez porteurs de joie autour de vous, allez dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine. Je veux chanter ta grâce et ta bonté. Je veux crier partout la vérité. Ton...